Bonjour, c'est Fred Tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais passer à la loupe pour les matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Les matchs du jeudi 25. Donc il n'y a pas de résultat, mais vous avez la vidéo pour le mercredi 24 qui est disponible, où je passe aussi à la loupe l'ensemble des matchs. Et là, je vous propose de passer les matchs du jeudi. En toute fin de vidéo, puisque j'ai eu des questions sur... Sur Instagram. Une personne ne comprenant pas le pari que j'ai proposé justement sur cette vidéo. Donc on verra en détail en seconde partie de vidéo pour faire un pari sécurisé avec la calculatrice Gagnifuté. J'ai un outil qui sera disponible lorsque la formation sera sur la plateforme qui vous sera offert, qui permet de sécuriser tout type de paris. Et puis on verra directement sur le book, chez le book, comment on peut parier. Mais c'est pareil pour tous les books, hein. On ira chez un book, je vais masquer un petit peu tous les éléments, vous allez les reconnaître. Mais voilà, je masque parce qu'en fait j'ai eu des vidéos où je présente en fin de compte un comparatif entre moi, ce que j'arrive à faire en sécurisant, et on voit bien qu'on est largement gagnant par rapport à ce que les books nous proposent comme cote de sécurisation, que ce soit pour les doubles chances ou les paris remboursés. Donc c'est l'avant-match futé du jeudi 25 et je répondrai, oui c'était bien sur Instagram, je répondrai à Faris57 en fin de vidéo. Donc voyons tout de suite, donc pareil qu'hier, je passe à la loupe en fait chaque match, mais je ne vais pas m'attarder, je vous donne mon avis succinctement avec les classements Elo parce que c'est très intéressant, et puis quelques relevés d'observation. Donc je vais un petit peu accélérer, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti et d'activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et puis vous pouvez mettre vitesse 2, ça passe très très bien, je suis désolé, je ne peux pas forcer plus que ça, et j'ai besoin aussi de vous donner des renseignements quand c'est nécessaire et de prendre le temps de vous expliquer. Et puis en descriptif, hein, il y a les time codes, vous pouvez passer d'un, s'il y a un match à un autre qui vous intéresse plus, ou si vous les réécoutez, vous allez pouvoir aller dans le descriptif de la vidéo et vous avez les time codes. Donc voilà, commençons tout de suite. Le premier match est Andorre Albanie. Donc là l'Andorre est 186 au niveau de l'Elo Rating. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'Elo Rating, j'ai fait une vidéo, voyez sur la chaîne, où j'explique l'utilité de l'Elo Rating. Je fonctionne comme ça depuis très 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 longtemps, et le logiciel de stats dont je vous montre régulièrement lorsque ce sont les championnats, c'est basé aussi énormément sur l'Elo Rating. C'est un outil vraiment formidable d'évaluation des équipes. Donc l'Andorre est 186e avec 1034 points, et l'Albanie est 70e avec 1556 points. Alors on m'a demandé aussi ce que c'était que ce pourcentage d'espérance. En fait c'est la traduction littéraire en fait de winning expectancy. Pour moi je l'ai traduit comme le pourcentage d'espérance que cette équipe a de gagner. Vous le trouvez beaucoup sur tout ce qui est tableau Elo Rating, et des sites évoquant l'Elo Rating vont vous parler justement de cette donnée. Donc allez, très rapidement, bon là il n'y a pas trop de soucis je pense, hein. Le 2, mais le problème c'est que mon avis sera le 2, mais le problème c'est un problème de cote, la cote est trop faible. Même là, si les probabilités donnent 70% pour l'Albanie, 1,25 ce n'est pas très value. Donc l'avis sera le 2, le problème c'est que je ne prendrai rien puisque c'est un problème de cote. Donc voilà, je vais passer hein, comme hier assez rapidement. La Bulgarie, la Suisse, donc la Bulgarie est 78e. Avec 1505 points Elo Rating, et la Suisse est 15e avec 1871 points Elo Rating. Une espérance, un pourcentage d'espérance de 82%, ce qui est assez énorme. Le problème aussi, ça sera un problème de cote. Je pense effectivement que la Suisse va très bien faire. Je ne sais pas pourquoi, souvent, j'ai eu, et je pense que je vais encore avoir cette question ou cette réflexion, que la Suisse, c'est pas une petite nation de football. Ils sont 15e
Voyez le classement UEFA et même le classement FIFA, ils sont très haut, très très haut. Je pense que vous assimilez le fait que ça soit effectivement au niveau superficie un petit pays, mais c'est quand même une grande nation du football. Donc je préfère aussi le soulever parce que j'ai toujours, je sais pas, il y a un dénigrement sur nos amis suisses en disant que bon bah oui, mais c'est un petit pays du football. Non, non, c'est quand même une belle nation du football, hein. Donc le souci, c'est que c'est pas que je ne vois pas que la Suisse va gagner, je pense, mais j'ai pas été plus loin dans ma réflexion. Pourquoi? Parce que la cote est aussi un petit peu trop faible, hein, 46. Là, si je regarde les probabilités, c'est 55%. Moi, je vois et je pense qu'effectivement la Suisse va très bien faire. Et là, c'est encore un problème de cote. Donc ça sert à rien de perdre du temps. Désolé pour nos amis suisses, mais pour moi, je ne retiens pas ce pari. Le match suivant, l'Angleterre Saint-Marin. Donc l'Angleterre est 9e avec 1962 points et le rating. Et puis Saint-Marin est 209e avec 830 points et le rating. Vous aurez compris que ce sont deux planètes différentes. Une espérance de gain. De gagner de 99,99%, ce qui donne aussi quand même une probabilité de 85%, mais ce n'est plus value parce que la cote est à 1, vous allez voir, les books vous proposent 1,01, donc évidemment, bon, je sais, certains ont posé la question à d'autres, savoir comment ça se fait, pourquoi ils prenaient des cotes de 1,10, de 1,20, de 1,16, je sais très bien qu'il y a des bookmakers qui vont vous proposer en fait de booster vos cotes. Par rapport, c'est du marketing, c'est promotionnel, de booster vos cotes par rapport au fait de choisir et de mettre dans votre combinaison plusieurs matchs. Donc bon, bah, profitez-en si ça fonctionne, pourquoi pas. Donc là, évidemment, mon avis, c'est le 1, mais le problème, c'est, hein, je ne vais pas vous le dire à chaque fois, c'est un problème de cote. Peut-être jouer le nombre de buts, je pense qu'il y aura certainement peut-être 4 à 6, voire 7 buts. J'ai regardé un peu les historiques. L'Angleterre marque à chaque fois entre 4 et 7 buts. Donc bon, vous voyez, si vous voulez faire un pari sur le nombre de buts, il faut voir la cote, mais je m'y tenterai peut-être pas trop quand même. Pour ce qui est du match suivant, donc c'est l'Allemagne contre l'Islande. Donc l'Allemagne est 10e avec 1956 points et le rating. Et l'Islande est 49e avec 1633 points et le rating. Il y a une espérance de victoire de l'Allemagne à 92%. Et là, c'est pareil, c'est un problème de cote. Ils ont massacré la cote à 1,12. Attention quand même à l'Islande, hein. On sait très bien que l'Allemagne actuellement, même s'ils ont des belles individualités et qu'en club ça passe merveilleusement, l'Allemagne est toujours un petit peu fébrile. Il y a toujours des erreurs, il y a toujours des choses vraiment bizarres sur cette équipe, hein. C'est pas une assurance tout risque. Donc sait-on jamais, hein, l'Islande, ils sont quand même 49e, hein, du classement Elo, c'est pas rien. Moi, je trouve que c'est irrespectueux, une cote de 1,12. Je pense que quand même l'Islande, voilà, hein, sur le terrain, vous avez 11 bonhommes de chaque côté, hein. Il peut très bien aussi avoir des faits de match, et puis le match se plie ou se renverse, et voilà, hein. Bon, je vois tout de même la victoire de l'Allemagne, mais là aussi, je vous dirais de rester à l'écart, parce que 1,12, moi d'ailleurs, regardez sur les... Alors là, c'est intéressant pour l'Allemagne, parce que l'Allemagne, il y a toutes les données derrière, Ligue des Nations et autres. Et voilà, 48%. Donc on est très très loin des probabilités. Là, c'est complètement, voilà, c'est irrationnel en fait, cette cote, hein. Donc le 1, mais c'est un problème de cote et n'allez pas jouer une cote de 1,12. Vous perdez votre temps, mettez votre argent ailleurs. Le souci, c'est que vous allez jouer plus ou alors vous allez jouer énormément de matchs et vous avez tout. Il suffit qu'il y en ait un seul qui passe pas et badaboum. Alors le match qui nous intéresse là, alors là, c'est un des matchs vraiment très intéressants. Pour moi, je surveille beaucoup la Hongrie qui m'a vraiment plu. D'ailleurs, il faut savoir qu'au niveau Elo Rating, je pense que c'est la nation qui a engrangé le plus de points ces dernières semaines et derniers mois. Une très belle évolution de performance de la Hongrie. Attention, ça sera peut-être il y a toujours, hein, des surprises et ça peut être une équipe poil à gratter aussi dans les groupes de Coupe du Monde, hein. Donc, ils sont 36e au classement. Ils ont
ont 1745 points et le rating. Et il y a une espérance de victoire sur ce match contre la Pologne de 55%. La Pologne, bon, ben, ils sont toujours présents, on les voit, toutes les qualifications passent à merveille, mais après, au niveau des compétitions elles-mêmes, peu importe la compétition, on les voit beaucoup moins. La Pologne sont toujours décevantes dans les compétitions. Par contre, en phase de qualification, ils nous font toujours des choses extraordinaires et formidables. Donc, ils sont 21e, ils ont 1813 points et le rating, et ils n'ont qu'une espérance de victoire de 45%. Donc voilà, je prends le temps de vous montrer quand même un petit peu la Hongrie-Pologne, hein, les face-à-face, d'autant plus que bon, c'est d'un moindre niveau là quand même, mais face aux Pays-Bas, bon voilà, ils ont perdu en Ligue des Nations et face à l'Italie. Par contre, une très belle régularité quand même de la Hongrie, hein. Ils ont engrangé énormément de points sur leurs 6 derniers matchs de Ligue des Nations. Ils ont fait une très très belle Ligue des Nations. Vraiment attention à cette équipe. Il semble avoir un groupe quand même assez intéressant. Bon, en match amicaux, au niveau des confrontations, et puis voilà, bon, c'est une certaine neutralité. Attention, il y a quand même deux matchs nuls là. Bon, c'était des matchs amicaux. Une petite victoire de la Hongrie. Et là, quand même, une victoire aussi en amical. Hein, mais bon, il faut voir. Bon, les matchs amicaux, les prenez pas en compte. C'est pas pareil, c'est faussé. Alors, qu'est-ce que je vous propose sur cette équipe? Eh bien, tout simplement le match nul. Et je vais le sécuriser. Vous savez, la technique du choix 1 remboursé sur le choix 2. Donc, match nul sur ce match. Et il sera remboursé sur le match suivant, qui est Israël-Danemark. Donc, c'est la technique du choix 1 remboursé sur le choix 2. Donc là, je soulevais quand même que la Hongrie a un très bon parcours en Ligue des Nations, une des meilleures performances Elo Rating par rapport au dernier match. Ils ont une espérance de 55%, donc effectivement, j'ai rien oublié. Donc je vais revenir sur le détail. Donc là, ça sera la technique du match nul à 3-10 remboursé sur le match. Sur le match Israël-Danemark, et je vais vous montrer tout de suite en fait de quoi il en retourne. Donc le match suivant est Israël-Danemark. Donc au niveau du classement, Israël est 61e avec 1592 points et le rating, et le Danemark est 13e avec 1927 points et le rating. Ils ont une espérance de victoire à 79%. Alors, ce qui va être intéressant sur ce match-là, c'est qu'Israël, en fait, c'est ce que je vous dis ici, Israël joue pour la gagne, en fait. Il y a très peu de matchs nuls au niveau de cette nation, c'est du 1-2. Et le Danemark a ce petit jeu, effectivement, ils sont très, très, très... c'est un jeu quand même beaucoup plus défensif et je pense que ça va jouer en contre. Donc à ce petit jeu, je donnerai un avantage aux Danois. Donc le 2 a une cote de 1,75 qui me semble vraiment bien. Donc le détail du pronostic, donc en reprenant le match précédent, donc le match nul sur la Hongrie-Pologne, remboursé si victoire du Danemark. Donc là, le but du jeu est de cumuler les deux. Donc sur le match nul à 3-10, on met un exemple de cote pour 10 euros, 4,29 €. Une cote de 1,33 si uniquement le match nul passe. Mais le but du jeu, c'est de cumuler les deux. C'est d'avoir aussi en même temps la victoire du Danemark à 1,75 €, où là, on met 5,71 €. Pour un exemple de mise de 10 euros, où là on sera remboursé. Mais le but du jeu, c'est de cumuler les deux. Et si les deux passent, le match nul et la victoire du Danemark passent, on aura une cote équivalente de 2,33, qui est vraiment pas mal. Donc voilà pour ce match. Je vais vous expliquer ça en fin de vidéo, hein. Donc le match suivant est l'Italie contre l'Irlande. Donc j'attends au moins la première journée pour avoir les effectifs et voir un petit peu les évolutions. Après, je reviendrai sur un système beaucoup plus classique parce que j'ai beaucoup de mal avec le tableau. Je pense aussi que vous avez peut-être beaucoup de mal à me suivre. Je ferai la dernière, la prochaine journée aussi. Et après, je reviendrai à un mode plus classique puisqu'en fait, on aura un petit peu plus de données au niveau des effectifs. On n'aura pas de statistiques, mais au moins, voilà, ce sera plus peut-être parlant parce que là, ça vous est difficile, même pour moi. Là, pour faire la vidéo, ça m'est difficile, mon tableau part dans tous les sens. Donc le match suivant est l'Italie-Irlande. Donc l'Italie est 6e avec 1898 points et le rating.
Et puis l'Irlande du Nord est 62e avec 1586 points. L'Italie a une espérance de gagner ce match à 95%. Donc là, c'est pareil, la cote est massacrée à 1,16. Mon avis est effectivement le 1, mais c'est un problème de cote. Donc voyons, passons très vite au match suivant qui est Liechtenstein, qui est 179e avec 1116 points et le rating, contre l'Arménie qui est 75e avec 1523 points et le rating. Donc une espérance de victoire de l'Arménie à 85%. Et là aussi, le 2 est à 1,28. Moi, j'ai qu'une probabilité de 46%. On est très loin. Ce n'est pas value. Mon avis sera le 2, mais c'est un problème de cote. Donc voyons voir le match suivant qui est la Moldavie contre l'île Féroé. Donc là, on commence à tomber malheureusement sur des équipes nationales qu'on connaît beaucoup moins bien. Donc il est très difficile de se projeter et d'évaluer ces équipes. Malgré tout, la Moldavie est 152e au niveau du classement et le rating. Ils ont 1227 points et le rating. L'île Féroé est 145e. Ils ont 1262 points et le rating. Une espérance de victoire pour la Moldavie à 59%. Donc là, les cotes sont intéressants parce que le 1 est à 2,45, le match nul à 2,75 et le 2 à 3,20. Le problème, c'est que sur ce match-là, je manque vraiment de visibilité, quoi. Je suis dans l'inconnu. J'ai du mal à évaluer les forces en présence. Donc je vous dirais de rester à l'écart. Je ne donne même pas d'avis parce que je ne sais même pas. Un N2, je ne peux pas évaluer du tout. Je ne connais pas ces nations et ça ne m'intéresse pas. Désolé. La Roumanie, la Macédoine. Donc au niveau des classements, la Roumanie est 43e avec 1666 points et le rating. Et la Macédoine du Nord est 66e avec 1569 points et le rating. L'espérance de victoire est pour la Roumanie à 76%. Donc là, le problème, c'est que ça pourrait être limite. Sauf que les probabilités nous donnent 41%. Donc on en est loin. On nous propose une cote de 1,80. Je ne vois pas comment la sécuriser. Mon avis serait le 1 remboursé 6 yens, mais ce n'est pas value parce que vous allez descendre sous la cote de 1,51. C'est un match à observer. Ça peut être intéressant de jouer sec la Roumanie. Pourquoi pas, mais la Macédoine, je vais vous montrer en 2 secondes. C'est pas tout à fait les mêmes groupes de Ligue des Nations, mais la Macédoine du Nord a quand même fait une très belle campagne. Une très belle régularité, hein. Ils sont vraiment bien battus. Donc il y a quelques petits matchs de référence contre l'Arménie et Israël. Bon, c'est à voir. La Roumanie aussi, hein, et là, c'est pour moi quand même d'un niveau, d'un cran au-dessus. Donc une certaine alternance. Bon, ils ont très bien terminé en dernier lieu, par exemple une belle performance contre la Norvège. Donc c'est à voir. C'est une équipe à observer justement pour évaluer. Je ne vous proposerai pas de pronostic, hein, sur ce match-là, mais c'est un match à observer. Effectivement, c'est ce que je vous marque. Le match suivant, c'est un match qui nous intéresse avec un beau petit pronostic. Donc l'Écosse contre l'Autriche. Donc l'Écosse est 45e avec 1660 points et le rating. Et l'Autriche est 25e avec 1786 points et le rating. Une espérance de victoire de 54% de l'Autriche. Donc là, ça risque d'être très 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 serré. Si je fais le face-à-face, donc attention à l'Écosse, hein, ils nous ont déçus. Si vous vous souvenez, je vous ai proposé en Ligue des Nations, ils nous avaient déçus lors d'un précédent pronostic. Voilà, les deux dernières confrontations en Ligue des Nations n'ont pas été formidables. Par contre, l'Autriche me semble un cran au-dessus et très régulière. Ils ont aligné quand même des performances quand même assez intéressantes, une belle régularité. Donc attention, moi je les vois beaucoup plus. Malgré tout, il y a quand même un petit élément de doute au niveau des effectifs côté de l'Autriche. Entre autres, il y a déjà de certains, il y a d'autres joueurs qui sont incertains. Bon, il y aura l'absence du capitaine pour ce match. Le capitaine de l'équipe sera absent. Moi, je pense qu'ils vont très bien faire. Ce que je vous propose quand même, c'est que bon, ce qui n'était pas forcément évident, c'est d'aller gagner en Écosse.
Donc je vous propose quoi? Tout simplement le match nul. Bon, je pense qu'il n'y aura pas énormément de buts, ça va être quand même assez stratégique. Donc je vous propose tout simplement le match nul remboursé si under moins 2,5 buts à 1,56. Donc ça fait la technique du choix 1 remboursé sur le choix 2. Donc un exemple pour 10 euros de mise. Donc sur la cote du match nul à 3,25, vous mettez 3,59 euros. Et puis sur le 2, le choix 2, sur le under moins 2,5 buts dans le match à 1,56, vous mettez 6,41 euros. Et là, si les deux passent, on a une cote cumulée de 2,17 qui est vraiment, vraiment très bien. 2,17. Donc le match suivant est l'Espagne contre la Grèce. Donc l'Espagne est 4e avec 2050 points et le rating. Et la Grèce est 51e avec 1627 points et le rating. Une espérance de victoire de 95% pour l'Espagne. Bon bah là aussi je pense que l'Espagne est sur un cran au-dessus. Je pense que ça va très bien faire. Ce qui me gêne quand même, c'est qu'on a des probabilités de 49% pour la victoire de l'Espagne. Je le conçois, c'est un petit peu faible. Mais de toute façon, une cote de 1,15 n'est pas justifiée sur ce match non plus. Je vois, à mon avis, c'est le 1, la victoire de l'Espagne. Mais là, c'est aussi un problème de cote, donc on va pas s'étendre. Donc le match suivant est Suède-Géorgie. Donc la Suède est 20e avec 1821 points. La Géorgie est 77e avec 1507 points et le rating. L'espérance nous donne une victoire de la Suède à 92%. Et là, moi, j'ai une probabilité à 50%, même si je trouve que c'est un petit peu faible. Mais la cote de 1,25 n'est pas non plus justifiée. Mon avis est la victoire de la Suède, donc le 1. Mais c'est aussi un problème de cote. Donc voilà pour ces matchs, voilà pour cette partie. Pour ceux qui s'arrêtent là, et ben, si vous avez apprécié, un petit like. Et puis, donc là, je vais montrer pour Farid 57 en fait le calcul exact au niveau des calculatrices. Donc, on va aller chez le book pour vous montrer en même temps. Ça va vous permettre de faire le calcul succinctement. Donc là, je suis sur le match Turquie-Pays-Bas où là, on nous propose différentes cotes. Et là, je vous ai proposé le match nul remboursé si 1,75. Donc, lorsque vous êtes comme ça chez votre book, la chose qu'il faut faire, c'est d'abord le pari remboursé. Donc, je vous ai dit, on valide le match nul et le rembourser à 1,75. Là, tout va dépendre en fait de votre mise. Donc, on va prendre comme exemple que l'on va jouer 10 euros. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, vous pouvez le faire à tâtons ou si vous voulez faire le calcul avec la calculatrice. Mais ce que vous pouvez faire à tâtons, c'est de là, on va faire un pari remboursé. Donc si je mets 5, donc vous voyez, on a 8,75. Si je mets 6, on a 10,50. Donc là, je vais mettre 5,30, 5,80, ça dépasse. Donc ça va être 75 peut-être. 73, 72, 71. Bon, il faut dépasser donc 5,72. Donc voilà, là on est dans le cadre du pari remboursé. Vous êtes d'accord avec moi? Si je veux jouer 10 euros, mais là le pari sera bien remboursé, puisqu'en fait, si je mets 5,75 € sur la cote de 1,75, j'aurai un gain de 10,01 €. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc là, il me reste quoi sur les 10 euros? Et bien là, je mets tout simplement ce qui me reste. Donc il me reste 4,28. Voilà, vous êtes d'accord avec moi que 4,28 plus 5,72, ça fait bien 10 euros. Donc voilà, j'ai mon pari gagnant. Donc sur la cote de 3,80, je mets 4,28 €, ce qui me fera un gain de 16,26 €. Et sur la cote de 1,75, je mets 5,72 € et là j'aurai un pari remboursé à 10,01 €. Ce qui nous fera tout simplement, c'est ce qu'on appelle la cote équivalente, c'est ce que j'ai dit à Barry 57, ça fera en fait une cote de 1,62. Ça équivaut en fait, ces deux paris-là équivaut à valider une cote de 1,62, puisque 1,62 multiplié par 10, ça va bien faire 16,26 €. Donc j'espère que ça, vous l'avez compris.
Ok, donc voilà ce que vous pouvez faire directement chez votre book. Maintenant, il y a une autre, il y a d'autres solutions. Vous avez effectivement, lorsque la formation, la nouvelle plateforme sera ouverte, je vais offrir à tout le monde une formation sur la sécurisation, sur l'ensemble des types de paris, et une formation qui sera avancée pour ceux qui iront beaucoup plus loin, où là, ben, vous voyez tout simplement, je mets les cotes 1 et 2. Il vous calcule en plus les probabilités par rapport à cette cote-là. Et là, ben, selon ce que vous voulez faire, le N remboursé si 1, et ben voilà, il vous donne par exemple là, bon ben, ça serait une cote équivalente à 2,98 avec toute la rentabilité. C'est ce que je vous donne en fait tout le temps dans mes pronos. Et aussi bien pour le double chance 1N, N2, 2N, il vous le calcule automatiquement et ainsi de suite. Donc ça, c'est une calculatrice. Investissez prochainement si vous gagnez un petit peu sur le pack office de Microsoft. J'aime pas faire de la publicité et encore moins pour Bill Keller, mais c'est vraiment des bons outils. C'est pas sûr que ça fonctionne avec il y a des bureaux office, des choses comme ça qui vous permettent d'avoir un équivalent un peu Excel, mais achetez vraiment la licence, ça coûte 5 à 10 euros. Allez sur eBay, allez sur une vraie licence en fait. Vous avez la possibilité d'acheter des licences vraiment pas chères. Contactez-moi si vous ne les trouvez pas, mais vous pouvez avoir une licence, une vraie licence. La troisième méthode est tout simplement le site Gagnifuté. Donc vous avez les différentes calculatrices. Alors vous avez ici la possibilité de faire au niveau de la calculatrice. Donc là, vous avez le double choix et vous avez le N remboursé si 1 ou 2. Donc là, vous ne vous cassez pas la tête, vous mettez la cote du match nul qui était de 3,75 et là, c'était 1,72 pour la victoire à l'extérieur. Vous mettez votre mise 10 euros. Ne touchez pas, au niveau variance, c'était une autre chose. Donc voilà, pour le match nul remboursé si 1. Donc voilà, ça vous donne ici la cote équivalente qui est 1,57. Vous avez le résultat ici. Donc le N remboursé 6,2. Donc vous ne fiez pas à ce qui est marqué là. Effectivement, ça s'est un petit peu envoyé en l'air. Vous prenez uniquement ici, c'est N remboursé, pas 1, mais N remboursé 6,2. C'est lors certainement d'une sauvegarde précédente où ça a dû tout planter, mais je suis en train de tout refaire. Et donc vous avez une cote équivalente à 1,57, c'est bien ce qui vous avait été dit, 1,57, vous tombez sur le même calcul. Donc voilà, si vous avez apprécié, un petit like, et puis je réponds à vos questions en commentaire. En attendant, bon match et à demain pour la prochaine vidéo, merci.